Jordan Howard, après un premier tiers correct, vous encaissez 4 buts au début du deuxième. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, déjà le premier goal, on commet une erreur et puis c'est un goal direct derrière. On a du mal d'apprendre de ça. On ne peut pas se cacher sur l'excuse et le fait qu'on ait fait 23 jours sans jouer. Donc les 4 goals qu'on prend au début du deuxième tiers, c'est 4 erreurs et puis c'est des choses qu'on ne peut pas se permettre dans cette ligue. Et puis on apprend, c'est dur, mais ma foi, si on commet des erreurs comme ça, ben, c'est sûr que ça sera difficile. Donc on sait ce qu'on doit corriger en plus, c'est ça le pire, c'est qu'on a les moyens de le faire. On a vu au premier tiers, on est capable de rivaliser quand même moyennement avec les équipes qu'on a en face quand on joue notre jeu. Et puis là, ben, on s'effondre en 10 minutes, quoi. Vous n'aviez plus joué depuis le 23 décembre. Qu'avez-vous fait pendant cette longue pause? Ah, c'était un peu compliqué, vous savez, on a repris les entraînements, on a eu des quarantaines, on a repris les entraînements tous ensemble seulement ce lundi de cette semaine, mais on ne doit pas se cacher là derrière, c'est pas une excuse. Et puis c'est jamais facile, hein. On s'est entraîné des fois à 10, des fois après à 12, à 15, et ensuite il y a du monde qui revenait à chaque fois de quarantaine. Donc, mais c'est pas la question, on ne doit pas se cacher là derrière. On devait continuer de la manière qu'on a commencé le premier tiers et puis on s'est effondré.